Bande kota ngwe kokie Ngola mato Kristu akobenga biso e Tangwe kokie Ngola mato Kristu akoya poya biso e Bande kota ngwe kokie Ngola mato Pote tokende longona ye o Tangwe kokie Ngola mato Des cadenas à la source. Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Suis-je libre? Vois-je clair dans la vie? Au fond de moi-même, je sens des aspirations, le désir de l'amitié vraie, de la solidarité, de l'intimité, de l'honneur, de la dignité, de la vérité et de la droiture. Mais en même temps, je me sens prisonnier. Mon esprit est bloqué. Fille injuriant sa mère, sa conscience, son double, le lui reproche. Je pensais me libérer en injuriant mes parents, faire la vie, me débarrasser des interdits. La seule voix de la conscience que je remarquais, j'avais peur, la honte devant les autres. Je voulais me délivrer de cette humiliation. Je ne suis plus une enfant. Je vis la révolte avant même de vérifier ce que je fais. La pirogue et la rame. Le conflit des générations. Un jour, la pirogue et la rame avaient une palabre. Ils refusaient de s'entraider et restaient immobiles sur la rive. La rame dit à la pirogue : Toi, tu es trop lourde. Tu n'avances pas. Tu me coupes les jambes. Moi seul, j'ai tout le travail à faire. Tu es paresseuse et lente. La pirogue répondit, « Comment donc? Sans moi, tu n'aurais pas d'existence, tu ne bougerais pas de ta place. Si tu voulais traverser le fleuve seul, le premier tourbillon t'emporterait. Ton orgueil et ta légèreté sont détestables. Tu penses à me commander? Je refuse désormais de t'embarquer. » Osili bomilenge li pote tokende o Le passeur d'eau supplie la pirogue et la rame de s'entendre. Le passeur d'eau poussa la pirogue. Elle ne bougea point. Il saisit la rame, elle sauta de ses mains. Puis la dispute reprit de plus belle. Finalement, le passeur d'eau finit par les convaincre. Au lieu de regarder les fautes et les défauts de l'autre,
il faut regarder ses qualités. Les qualités, les miens et ceux des autres, se complètent. La pirogue est robuste. Elle tient ferme dans les tourbillons, mais sans la rame, elle ne bougera pas. La rame, elle, est rapide, pousse la barque, saute les obstacles, cherche l'aventure. Mais sans la pirogue, elle serait emportée par le premier courant d'eau. Une fille s'adonne à la boisson avec son amant, sa conscience, son double, le lui reproche. En rejetant les interdits et les mises en garde de mes parents, je me suis enfermé dans une autre prison. La cupidité, les plaisirs coûteux, les satisfactions faciles, mais lourdes de conséquences. Petit à petit, je me laisse exploiter, tromper, manipuler, colonisé par des gens sans pitié et sans respect pour moi. Ils m'apprennent la tromperie et le mensonge. J'y perds ma droiture et ma lucidité. Filles et garçons flirtent ou pratiquent le quichéri, leur conscience le leur reproche. Je pense que je conduis ma vie, que je suis libre, que j'ai atteint tous les plaisirs et les joies du monde. Je crois que seulement la peur de m'y engouffrer me retient comme un frein. La passion me brûle. J'éprouve le vertige. Je me sens vivre. Je rejette toute réflexion. Je ne veux plus écouter la voix de mes aînés en moi. Je me justifie. Tout le monde le fait. Pourquoi pas moi ? Je ne veux plus voir les conséquences en face. Fumeur de chanvre. Puis les études et le travail me dégoûtent. Les reproches contre moi s'accumulent. Je suis une bouche inutile. Je m'enfouis dans le plaisir du corps, sexe, boisson, drogue, bagarre. J'étouffe mes sentiments négatifs, le découragement devant l'avenir, l'image de moi-même. Je suis un vaurien. Si les parents ne m'honorent plus, je cherche la popularité et le succès chez mes amis. Puis, le cafard s'impose de nouveau, le vide, l'ennui intérieur, le désespoir et parfois le dégoût de moi-même. Jeune homme au cachot, sa conscience l'invite à réfléchir. La peur, la honte, la privation. Je dois m'incliner devant les limites de ma liberté, respecter les autres. Est-ce que je vais continuer à gâcher ma vie, à causer de la peine à mes parents, à ruiner ma famille? Vais-je accuser les autres de ne pas me donner ma chance? Vais-je me cacher derrière une carapace de fausse supériorité? Que vais-je faire de ma vie ?
on ne vit qu'une seule fois sur cette terre. Jeune étranglé par un serpent, les préjugés, l'aveuglement de mes passions, mes sentiments négatifs m'emprisonnent, ils m'étranglent. Je me sens arraché de mes fondations, mes sentiments et mes bêtises me craquent. Je commence à vivre dans un monde imaginaire. Je perds le contrôle de ma vie. Une angoisse sourde m'envahit. Je suis en train de me perdre. Ma vie n'a plus de sens. J'ai peur de l'avenir. Qui me rendra ma dignité, le sens de ma vie? Qui me donnera l'amitié vraie? Jeune homme et jeune fille devant un nid. Qu'est-ce que la vie? Quelle est la valeur de ma vie? Cette vie que je n'ai pas choisie, cette vie que j'ai trouvée chez d'autres qui existaient déjà avant moi, cette vie qui sort du néant, qui est croissance mystérieuse. Elle me jette dans une aventure, ce nid d'oiseau en est un symbole. Nid avec des œufs. La vie se présente à nous comme une réalité mystérieuse, merveilleuse, mais fragile. C'est une fécondité, une transformation continuelle. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Y a-t-il un sens à tout cela? Ou est-ce que nous n'avons d'autre utilité que de procréer et puis de mourir bêtement? Hors de ce fleuve continuel, je ne suis rien. Jeune homme donnant un œuf à la jeune fille. Mais je me sens embarrassé. D'un côté, j'admire cette vie. De l'autre côté, je me sens pris au piège de mes passions. Je voudrais ignorer l'importance de la vie. Je hais l'obéissance, la subordination du plaisir au dévouement. Je veux le plaisir et je le sépare de la responsabilité. Je ne veux pas entendre parler de ma responsabilité. Je ricane et je me moque. J'arrache la vie de son nid. Il casse l'œuf. Et quand je joue avec la vie, tôt ou tard, des pensées de tuer m'arriveront inévitablement. Je ricane et je m'en moque. Ça ne fait rien. Il ne se passera rien. Mais au moment d'une grossesse indésirée, c'est la panique. Ce qu'on n'avait pas voulu auparavant, on s'y engage avec déchirement. Le tourbillon des passions déchaînées tue. Plaisir
tela tela bakwiti ya papa pamba. Il ouvre l'œuf couvé. Nous sommes tous de la descendance de Caïn. Dès que nous nous laissons emporter par le plaisir et l'égoïsme, nous étouffons les autres, nous écrasons les autres, même sans préméditation, l'escalade nous y amène. L'embryon. Mais ainsi, je me blesse profondément. Je blesse et je défigure mon être. Une intuition profonde m'accuse. J'entends mon Mwanamwinda qui me dit : au lieu de donner la vie, tu tues la vie. Tu tues la vie en toi-même. Tu tues la vie chez l'autre. Tu n'as plus le droit à la vie pour toi-même. En étouffant la vie dans l'autre, j'étouffe le germe de vie au fond de moi-même. C'est affreux. Le meurtre accompli. De moi-même, je deviens incapable de goûter la vraie joie de vivre, parce que j'ai haï la vie, j'ai tué la vie dans l'autre. Ma sensibilité en est entièrement perturbée. Je ne saurai plus aimer, je ne comprendrai plus ce qu'est l'amour. Il me reste le vide intérieur et le dégoût de moi-même. Ma vie en moi est devenue absurde. J'ai tué le sens de ma vie. Boko sengi nyanga lelo yona longo lanzemi Sona soni, soni na miso ya bato Ngai na boi nanga inga na ligi la vi La vi, la vi, la vi nanga yo la vi, la vi La vie reste, la fille reste avec les pots cassés. Les conséquences de l'irrespect de la vie retombent d'abord sur l'enfant et la fille. Elles perturbent profondément son corps, son cœur et son esprit. Mais aussi le garçon s'enfonce dans une position d'irresponsable. Il détruit. Il ne retrouvera aucune joie, aucune force dans la créativité. Il pourra se traîner comme un vagabond. Seulement Dieu, dans sa miséricorde, pourrait recréer ce qui a été abîmé en eux. La fille est tentée de se suicider. Le dégoût de vivre amène des tentations de suicide. On ne peut donner à soi-même le droit ni le goût de vivre. Ce n'est que Dieu, source et germe de toute vie, et seulement lui qui peut nous guérir, nous recréer. Mais d'abord, il faut que nous en prenions conscience. Dieu peut me parler par ceux qui ont besoin de moi.
malgré que nous sommes mauvais, nos cadets comptent sur nous. Par eux, Dieu essaye d'éveiller en nous notre responsabilité, le remords. Des boutons de fleurs. Au fond de moi-même, je sens que la vie demande à s'épanouir. Au fond de moi-même, la vie veut croître, grandir, se développer, s'ouvrir au soleil. Je me sens appelé à devenir enfant de lumière. C'est la voix de ma conscience profonde. Ce n'est plus la loi de mes parents. La tentation de forcer la vie avec un canif. Mais comment laisser s'épanouir cette vie en moi? Je suis pressé, impatient, nerveux. Je me laisse entraîner par les autres et je me blesse moi-même. Or, la vie a son rythme propre. Nous devons l'écouter au fond de nous-mêmes. Lui être docile. La source de toute vie y a mis sa force, son dynamisme. C'est ma tête, mon cerveau qui veut imposer à la vie son rythme à elle. Le résultat ne se fera pas attendre. Est-ce que j'ai la confiance au fond de moi-même? Si je suis docile aux bonnes aspirations au fond de moi-même, je m'épanouirai au rythme de la vie qui vibre en moi. Je m'épanouirai en parfaite harmonie, comme ces fleurs dont le Créateur seul connaît le secret. Mais si je suis blessé profondément par l'égoïsme et l'aveuglement, tout est compromis. D'abord, il me faudrait laisser guérir des blessures. Ensuite, me laisser recréer au fond de moi-même. Petit canard, ainsi la vie en nous est une promesse d'avenir, un appel à grandir en droiture. Voir clair dans cet appel est de la première urgence. Sans y voir clair, sans faire attention aux véritables pulsations profondes en moi, je vais suivre les pulsations de ma tête, mes envies, mes goûts, mes passions, mes caprices. Ou bien je vais suivre ce qui me plaît extérieurement. Je risque alors d'étouffer, d'écraser mes richesses de vie dans l'œuf. Pêcheur à la ligne. Se connaître et se construire ne se fait pas en un jour.
Si je fais trop de tapage, je ne prendrai aucun poisson. Je ne peux pas prendre tous les poissons à la fois. Je peux prendre les poissons un par un. Je dois savoir les endroits où se cachent les poissons. Je ne peux pas distinguer le fond de l'eau. Je soupçonne seulement la présence des poissons. Ce n'est pas comme un gibier qu'on pourchasse, qu'on vise, qu'on tire. Au fond de moi-même, je soupçonne qu'il y a un tas de talents, de possibilités, comme de bons poissons. Le noyau de palmier. Le germe de vie est protégé par une carapace. Autour de la carapace, il y a aussi la chair. L'erreur des gourmands est de croire que le secret de la vie se trouve dans la chair, dans la sensibilité. La carapace qui protège le germe de vie, ce sont notre intelligence et notre volonté, nos projets et nos options. Mais le noyau de notre personnalité se trouve à l'intérieur. Le noyau s'est transformé en cœur de palmier. Dès ma naissance, je porte en moi toutes les caractéristiques de ce que je pourrais être à l'âge adulte. C'est ce germe de vie que je peux mettre en danger si je ne le protège pas convenablement. Cette vocation, cet appel à la croissance est senti en moi comme une première exigence ou loi. Je puis réaliser cet appel librement, je puis aussi l'étouffer. Palmier et papayer. Le palmier est celui qui grandit selon son rythme propre, selon une droiture impeccable. Cherchant toujours la lumière, puis il se donne sans arrêt. Sa vie déborde ses limites. Autour de lui, il fournit huile et branches. Le papayer est celui qui veut croître plus vite que son rythme. Il n'est que de l'eau. Ses fruits ne contiennent que de l'eau. Il est fragile. Les épreuves et les contrariétés peuvent s'abattre sur le palmier. Il tient ferme. Le papayer, par contre, risque d'être brisé et abattu par le premier coup de vent. Notre vocation de palmier consiste à rester fidèle aux germes de vie, au plus profond de nous-mêmes, et de croître vers la lumière en toute droiture. Alors la générosité de notre élan dépassera les limites de notre être. Nous pouvons devenir don de soi. Alors seulement, nous pourrons donner notre pleine mesure. La salanzambe, te cotinga ngai na salanzambe.
Bye.